Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue avec de nouveaux mouvements du sabre du Taizi de Style Chen. Fangzhou, tu es prêt? Oui, allons-y. Avant de commencer la nouvelle séance, révisons d'abord les mouvements appris la fois précédente. Fleurs cachées sous les feuilles 3. Pas vide, cachez le sabre. Le dragon sort de l'eau. Trois cercles autour du soleil. On refait ces mouvements de manière enchaînée. Regardons les mouvements que nous allons apprendre aujourd'hui. Maintenant, nous étudions « L'oie referme ses ailes d'or ». Sabre dans la main droite, tournez la taille et balayez jusqu'au-dessus de la tête. Enroulez, avancez le pied avant. Allez en position unipodale bien stable. Ramenez le sabre sous l'aisselle gauche. Regarde-moi faire une fois. Ok, fais-le une fois s'il te plaît. Bien. Quand on tourne en balayant avec le sabre, la taille tourne avec lui. Le mouvement doit être coordonné. Au-dessus de la tête, on enroule, on colle le sabre au dos, jusque devant, sur le côté, et on le ramène sous l'aisselle gauche. On refait une fois ensemble. C'est parti. La position unipodale doit être bien stable. Ensuite, passons à le yaksha explore la mer. Écrasez avec le pied droit, pour fendre vers le bas. Puis, posez la main gauche sur la taille. Montez le sabre et sortez la force qui fait trembler le sabre. Regarde-moi faire une fois. Fais-le une fois, s'il te plaît. Quand on sort la force avec le sabre vers le haut, on utilise la taille et la force doit se transmettre jusqu'à la pointe. Le yaksha explore la mer. Maintenant, voyons le boa se retourne. Sabre dans la main droite, amenez-le vers l'arrière droite, vers le haut et pour fendre en biais. Placez la main gauche au-dessus de la tête. Bien, regarde-moi faire une fois. Fais-le une fois, s'il te plaît. Bien, tends plus le bras. Le boa se retourne.
Chers téléspectateurs, ne partez pas. Une courte pause et on revient avec le meilleur. Démonstration en groupe du premier enchaînement des techniques de sabre du Traidier. Secours. D'abord, l'oie referme ses ailes d'or. La rotation du corps et l'enroulement du sabre doivent être synchronisés. La position unipodale doit être stable. Le yaksha explore la mer. Il faut piquer vers le bas. La force vient de la taille. La force doit atteindre la pointe du sabre. Le boa se retourne. La rotation et l'action de pourfendre doivent être synchronisées et fluides. La force doit atteindre la lame du sabre. Reprenons ces mouvements un par un. D'abord, l'oie referme ses ailes d'or. Le yaksha explore la mer. Le boa se retourne. Quelles sont les différentes manières de saisir le sabre? 1. Tenue horizontale. Les 5 doigts sont serrés en poing tenant le manche. Elle est surtout utilisée pour soutenir le sabre ou pour pousser avec le sabre. 2. Tenue droite. Les 5 doigts sont en spirale en tenant le manche. Elle est surtout utilisée pour piquer ou pour fendre. 3. Tenue inversée. L'avant-bras est en supination, la paume vers l'extérieur. Elle est surtout utilisée pour relever le sabre. Démonstration d'une forme en duo de sabre de Traidier.
Nous venons donc de terminer l'étude des mouvements de la troisième partie de la forme. Regardons ensemble une nouvelle fois. Forme complète de sabre du Kaiji, Steel Chen. Bonjour, nous avons étudié le Taiji depuis un certain temps. Qu'en penses-tu ? J'aime beaucoup. Très bien, le cours s'achève ici. On se retrouve au prochain cours. Au revoir. À partir de la prochaine séance, nous passons à l'étude des mouvements de la quatrième partie. Soyez fidèles à notre rendez-vous.